Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ces petits copeaux de neige. Ils sont vraiment trop jolis, comme vous pouvez voir. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà, donc je vais vous en montrer plusieurs au cours de ce mois-ci. Mais ça commence avec ceux-là. Donc, ils sont faits avec le coton Cupidon. Je vais vous donner donc les mesures. Je vais vous les marquer carrément ici. Et comme ça, vous aurez une idée. Si vous le faites avec le coton perlé et un crochet numéro 2, vos copeaux seront beaucoup plus petits et vous pourrez en mettre plein dans l'arbre. Sinon, moi, j'ai opté pour le Cupidon parce que j'adore le Cupidon. J'adore en fait sa forme. Je préfère amidonner et utiliser ce coton. Voilà, la taille est parfaite à mon goût. Voilà, tout est parfait. Donc, j'ai utilisé pas le blanc, mais le blanc cassé. Voilà, vous pouvez utiliser celui-ci ou le coton blanc sans aucun problème. Et vous pouvez même innover et les faire en rouge ou etc. C'est chacun, c'est vous. Donc ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3. J'ai utilisé également des ciseaux pour couper donc les fils. Et j'ai utilisé une aiguille à laine. C'est tout. Et le coton Cupidon. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Après les 8 mailles en l'air, on va venir dans la première des 8, vous piquez dedans et tout simplement vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Et là, vous voyez, il s'est formé un petit anneau. Donc, dans l'anneau, déjà, on va commencer par lever 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et dans cet anneau-là, on va venir faire des brides. Donc, vous faites un jeté, vous rentrez, vous ramenez le fil, et vous ressortez deux par deux les boucles. Donc, deux, un jeté, et deux. Donc là, on a la deuxième. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et quand vous êtes à peu près dans les 20, vous allez tout simplement pousser un petit peu la totalité vers ce côté. Vous voyez? Comme ceci, il vous reste encore de l'espace. Donc là, j'en avais 20. 21. 22. 23. 24. Et moi, ce que j'aime faire, avant de fermer toujours, c'est de les compter. Donc là, les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Ne vous trompez pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24. Une fois que c'est bon, on a les 24. On va venir tout simplement piquer ici dans la troisième maille en l'air de départ et faire une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir. Ce fil-là du nœud coulant, coupez-le. Hein, vous n'en avez plus besoin, on l'a caché depuis longtemps. Comme on a fait les brides par-dessus, il ne va plus jamais s'échapper. Donc maintenant, on va commencer le deuxième rang. Donc le deuxième rang, tout simplement, on commence en faisant une maille en l'air, comme ceci. Et vous faites une maille serrée, ici même, donc sur la troisième maille en l'air toujours. Donc là où il y a le petit trou, vous voyez? Vous piquez dans le petit trou, ici, maille serrée. Et maintenant, ce que vous allez répéter tout le temps, c'est 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient sauter une maille, donc une bride, et dans la suivante, vous piquez et vous faites une maille serrée.
Ça, c'est le motif qu'il vous faut répéter tout le tour. Vous voyez, vous allez avoir que des boucles. On recommence ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute une maille et dans la suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient sauter une maille et dans la suivante, de nouveau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Vous allez répéter ceci tout votre tour. J'ai terminé tout mon rang, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, tout simplement, vous allez venir unir. Vous voyez, après mes 5 mailles en l'air, les dernières, je saute ma dernière bride. Et vraiment ici où j'ai fait ma première maille serrée, vous voyez, elle est là. Vous piquez. Et vous ramenez le fil, vous faites votre maille couler. Là, vous voyez, nous avons terminé le deuxième rang. Le troisième rang, on va venir prendre donc l'ouvrage et on va venir faire des mailles coulées. Ici, vous voyez, dans la boucle. Donc, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver dans la troisième maille en l'air, comme ceci. Quand on est au centre de la boucle, vous avez le choix. Donc, regardez. Sur celui-ci, je lui ai fait des points pouf. Mais vous, si vous n'aimez pas ce point ou vous n'arrivez pas à le faire tout simplement, vous pouvez faire des points popcorn. Donc ça n'a vraiment aucun souci. Donc tout simplement, si vous voulez faire les points popcorn, je vais vous montrer. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et vous allez faire ici au total 5 brides. Donc là, 1, 2, 3, toujours dans la boucle, 4. 5. Une fois que vous avez vos 5 brides, vous voyez, vous lâchez cette boucle, vous la lâchez complètement. Vous venez ici où il y a les 3 mailles en l'air, vous piquez dans la troisième maille, vous attrapez donc votre boucle que vous aviez laissée, vous l'ajustez, vous la prenez, vous la passez à travers et vous ajustez. Et là, vous avez fait un point popcorn. Donc après, c'est vraiment à vous de voir, point popcorn ou point pouf. Donc le point pouf maintenant, donc c'est celui que moi, j'ai utilisé. Vous allez tirer le fil une fois. Un jeté. Vous rentrez ici et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté. On passe à travers toutes les boucles et on fait une maille pour fixer le tout. Donc ce sont des points pouf que j'ai appliqués de 6 jetés. Maintenant après ça, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Après les 5 mailles en l'air, vous allez dans la boucle suivante et vous faites une maille serrée à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant, vous allez piquer dans la première des 4 que l'on vient de faire et vous faites une maille coulée. Ça va se former, vous voyez, une petite boulette. C'est celle-ci, vous voyez, entre motif et motif. Donc maintenant, au même endroit, ici même, toujours, une maille serrée. Voilà ce que vous allez obtenir, vous voyez. Maintenant, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Après les 5 mailles en l'air, on va dans la boucle suivante et on fait un point pouf de 6 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais un jeté, je ferme toutes les boucles en même temps, sauf la dernière, un jeté, les deux dernières. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans la première des 5, donc ici vraiment, dans la première, vous piquez et vous faites une maille coulée. Après votre petite boule, vous allez venir faire, donc ici, à la base du point pouf, vous voyez un espace, vous piquez, maille coulée. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans la boucle suivante et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens dans la première des 4. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Maintenant, au même endroit, une maille serrée. Là où j'ai fait la première des deux. Et en fait, ce que je viens de répéter, c'est ce que j'avais fait ici.
c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment le motif qu'il faut que vous répétiez tout le rang. Vous voyez, très facile. Maintenant, de nouveau, je vais vous le montrer encore une fois, comme ça, vous n'aurez pas de doute. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient dans la boucle suivante et on fait un point pouf de 6 jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Un jeté, je passe à travers la dernière. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans la première des 5 qui est là. Venez piquer. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Maintenant, sur le point pouf, vous piquez et vous faites également une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la boucle suivante et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la première des 4 et je fais une maille coulée. Ici même, donc toujours dans la même boucle, une maille serrée. Ça, c'est le motif qu'il faut que vous répétiez. Donc ensuite, ici, là où vous faites maille serrée, etc., vous les placez bien au centre, les mailles serrées. Sinon, ça va déformer le flocon. Voilà. Quand vous les avez bien mis au centre, vous voyez vraiment là. Ici, de ce côté-là, c'est parfait. Vous voyez ? Donc ça, vous allez le répéter tout votre tour jusqu'à terminer. Donc arrivé ici, vous aurez fait les mailles serrées, mais là. J'ai complètement terminé mon tour. Donc comme je vous disais, après mes deux mailles serrées, vous voyez, j'ai arrêté dans ma dernière boucle. Maintenant pour terminer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez tout simplement venir, donc regardez bien ici à la base du point pouf. Venez, vous faites une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je viens ici dans la première des 5, une maille coulée. Je viens à la base du point pouf, une maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air et on coupe le fil. Et vous tirez. Vous remettez donc les pics comme ça en place. Vous tirez dessus. Hein. Donc voici ce que ça donne. Donc maintenant, il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est cacher vos fils. En sachant aussi, je voulais vous dire que si vous utilisez par exemple le coton perlé, ben, au lieu d'avoir un coton, copeau comme ça tout grand, enfin grand, vous voyez, voilà environ 10 cm, vous allez avoir en fait un tout petit copeau. Vous voyez, vous utilisez le coton perlé par exemple avec une crochet numéro 2,5 et vous avez, ou 2, parce que c'est mieux 2 pour faire des copeaux, vous allez avoir un résultat tout petit et comme ça vous pouvez en faire plein et les mettre dans l'arbre. À vous de voir. Une fois les copeaux terminés, voilà ce que ça donne. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour amidonner vos ouvrages, c'est très facile. Vous cherchez ça sur Google, vous trouvez des recettes, la façon de faire. Donc moi je vous recommande la recette avec la colle blanche. C'est vraiment solide. Voilà. Donc après, à vous de voir. Vous avez aussi avec de la maïzena. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto vous aura plu. Moi ça y est, je suis dans l'ambiance de Noël. Donc je suis super contente qu'on est dans cette époque de l'année là. Donc voilà, ça commence avec ce tutoriel. Donc je vous dis sur ce, à très vite pour un nouveau tuto. Bye.